Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je propose ma version de la pâte à tartiner style Nutella. J'en ai vu différentes sortes sur internet. Et bien là, je vous propose tout simplement la mienne. Alors, pour cette recette, là, je vais mettre 100 g de chocolat, c'est du pralin. Là, je vais mettre 100 g de chocolat noir. On aura besoin de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Là, j'ai 30 g de noisettes, de la poudre. Et puis, il me faudra une boîte de lait concentré sucré. C'est la boîte qui fait 397 g, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, pour cette recette, on va utiliser tout simplement la fonction dorée de notre appareil, de notre Cookeo. Donc, je vais me mettre en fonction dorée. Donc, je vais mettre un petit fond d'eau, puisque là, on va faire fondre le chocolat pour commencer. Ça va éviter que ça accroche. Donc, voilà, je vais mettre mes carrés de chocolat. Je vais mélanger les deux chocolats, bien sûr. Bien sûr, on mélange au fur et à mesure. Bien, quand le chocolat est fondu, je vais ajouter le lait concentré. Et bien sûr, on mélange. Je vais maintenant ajouter ma poudre de noisette. Et je mélange, bien sûr. Maintenant, je vais mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche, et dès que ça va buller un petit peu dans le Cookeo, eh bien on arrêtera le Cookeo. Là, je vais rajouter l'huile. Voilà, ça commence à buller dans le Cookeo, donc je vais laisser pendant une minute à ébullition. Là, vous voyez, au niveau du préchauffage, c'est pas encore tout à fait fini pour le mode doré. Là, c'est pas grave, ça, de toute façon, ça chauffe quand même. Là, vous voyez, là, le préchauffage vient juste de se terminer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais éteindre mon Cookeo. Je vais arrêter la fonction dorée. Et puis, je vais verser ma préparation dans des pots. Et voilà, ça vous fait à peu près deux pots, hein. Un pot complet et les trois quarts d'un autre. Donc là, je vais je mets les couvercles et je retourne pour que tout ça se devienne hermétique. Et puis on va laisser refroidir comme ça à l'air libre. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.